Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous vous portez bien avec vous, toujours votre maîtresse Rachel. Aujourd'hui, on va faire l'activité sensorielle chaud, froid et on passe à l'exercice. Donc, soyez sages et écoutez la maîtresse. Très bien. Donc là, regardez les enfants, j'observe bien les images. J'observe bien les images. Donc, qu'est-ce que vous voyez les enfants? La première image, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, c'est un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige qui est fait par deux ou bien trois boules de neige. Regardez, un bonhomme de neige se fait par la neige. Donc, le bonhomme de neige est comment? Froid ou bien chaud? Le bonhomme de neige est froid. Très bien, les enfants. Dans la deuxième image, qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est le feu. Le feu est comment? Le feu est chaud. Donc, c'est une température supérieure, très très supérieure. Donc le bonhomme de neige, froid, feu et chaud. D'accord? Bravo. Donc on passe à la deuxième page. J'observe bien les images. Regardez la première image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une tasse de café. Regardez, il y a la vapeur qui monte. Donc le café est chaud. Et la deuxième image, il y a une glace. Une glace. Donc, comment il est la glace? Est froide. Très bien. Le café chaud, la glace froide. Bravo les enfants. Maintenant, on passe à l'exercice. Donc, je vais vous lire la consigne. Je colorie en bleu ce qui est froid et en rouge ce qui est chaud. Je colorie en bleu ce qui est froid et en rouge ce qui est chaud. D'accord. Donc, regardez. Il y a plusieurs images. La première image, les enfants, là, c'est un bac de glaçons. Regardez, un bac de glaçons. Normalement, les glaçons sont comment? Ils sont froids. Donc, je colorie en bleu. Très bien, les enfants. On passe à la deuxième image. La deuxième image, il y a un poulet dans l'assiette. Le poulet est comment? On mange d'habitude les poulets froids ou bien chauds? Chaud. Très bien. Donc je colorie en rouge. Bravo. En rouge. Très bien, mes chers enfants. Donc regardez la troisième image. Toujours une glace. Qu'est-ce qu'on a dit? La glace est comment? Froide ou bien chaude? Très bien. Une glace est froide. Donc je colorie en bleu. Très bien, mes chers enfants. Maintenant, on passe. Regardez, il y a une tasse de café. Toujours la vapeur qui monte. Donc, je colorie en rouge parce que elle est chaude. Très bien. Maintenant, regardez, ici, il y a un jus. Le jus est comment, les enfants? Regardez, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit que c'est un jus d'orange. Et dedans, il y a deux glaçons. Donc, je colorie en bleu. Très bien. Regardez, toujours ici, il y a une glace. Je colorie la glace en bleu. Très bien. Là, on passe à l'assiette. L'assiette, regardez, il y a des frites. Il y a la vapeur qui monte. Les frites sont comment? Elles sont chaudes. Regardez. La vapeur qui monte de l'assiette des frites. Donc, je colorie en rouge. Très bien. Regardez les enfants. En bas, c'est une machine à chauffer. Regardez, il y a des toasts. Bien, c'est le pain. Donc, je colorie en rouge. Et la dernière image, c'est une poêle. Regardez, il y a des saucisses. On les mange froid ou bien chaud, les saucisses? Très bien. Chaud. On les mange chaud. Donc je colorie en rouge. Très bien, mes chers enfants. Bravo. Bravo. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous aime tous. Au revoir, mes chers enfants.